Yo tout le monde, c'est Clay. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je vous présente mon petit monstre. Qu'est-ce que c'est mon petit monstre? C'est mon RC Truck, mon véhicule téléguidé, parce que c'est vraiment un petit monstre. Donc, let's go, je vous dis pas plus, j'en parle plus après l'intro. Le grand zombie apocalypse. Donc, let's go, revenu. Donc là, je vais vous présenter. Je vais vous présenter en cinématique en premier. Donc, let's go, la révélation du véhicule. Donc, c'est le Destroyer. Donc, je vais un peu vous dire les spécifications. Donc, ça, c'est un véhicule fait pour aller vite. Ça va jusqu'à une vitesse de 45 km/h. Donc, faut pas foncer dans quelqu'un avec ça. Avant, moi, j'en avais un qui était plus gros. Genre, c'est un Arma Notorious. Mais ça, c'était trop d'entretien. Il y avait une fan dedans. Tous les trucs, les cochonneries pognaient dedans. Donc, celui-là, c'est vraiment mieux. Celui-là, il m'a coûté 200 $ canadiens. Donc, en US, c'est moins cher. Donc, ça fait quand même longtemps que je l'ai. Au moins, peut-être 4 mois, même plus. Alors, c'est les spécifications. Donc, ça, c'est. Donc, vous avez toute la télécommande avec toutes les petites touches pour régler la vitesse, régler les roues s'ils tournent sec, puis régler les roues sont droites comment. Donc, vous avez tous les petits boutons. Les boutons en bas, je sais même pas à quoi ça sert. J'ai jamais touché. J'ose encore pas les toucher. Ça, là, ça me fait peur, sérieux, là, ces boutons-là. Fait que j'y touche pas. Donc, voici le beau véhicule. Ici, vous avez des petites lumières. J'étais pas obligé de les mettre. Ils venaient pas avec, donc. Mais ça venait avec, mais tu pouvais les poser. Donc, t'étais pas obligé de les mettre. Donc, ça a des bonnes suspensions. Juste ici. Puis en arrière. Un truc comme si tu lèves. Ça, tu devais le poser, sinon tu peux l'enlever. Si tu lèves, ça va. Voilà, ça va rester comme ça, mais je le garde. L'aileron, je l'ai déjà cassé. Sauf que j'en ai pris une autre. Donc, celle-là est neuve. Mais c'est très fragile, hein. Ça se voit que c'est très fragile. Donc, est-ce qu'on va, on va voir à l'intérieur? Il y avait des pins de sphère qui venaient avec. Voici l'intérieur. Donc, la batterie ici, avec le fil, est bien attachée parce qu'avec un Véco. Le petit moteur, le moteur là, au début j'étais genre, c'est minuscule, mais en fait c'est puissant là. Le truc là, ici, le truc pour faire tourner les roues. Ça, c'est la lumière. Donc, elle est connectée ici et elle va jusque là. Qui alimente les lumières. Donc, je vais un peu vous le montrer. Alors, je vais vous le montrer, en fait. Et je sais pas si je pourrais mettre la GoPro sur le véhicule parce que elle tombe du véhicule. J'avais un collant. Sauf que ça se fixe pas ici parce qu'il y a comme des... Je sais pas comment je vais faire. Moi, je fixais ma GoPro en arrière ici, mais c'est vraiment pas solide ici. C'est n'importe quoi, ok. Je sais pas comment je vais faire, je vais voir ça. Mais les premières prises, ils seront à terre comme ça. Donc, let's go. Petit spinage du début. Donc, je pars jusqu'à là-bas, puis je reviens. Ça accélère très vite. Alors, voilà. Let's go, c'est parti. Je vais au max. Je suis au max, là. J'ai mis la GoPro sur ma tête, comme ça, on va mieux voir. Donc, let's go. Je pourrais me promener avec en même temps. Ça va être très bien, hein. Ça se contrôle loin. Okay, ça va vite. C'est même pas 45 ça. Dans route, c'est 45. Je vais tester là-bas tantôt. Il y aura une route de gravier là. On n'entend rien vraiment à cause du vent là-bas. Bon, on va se déplacer un peu. On va faire un petit jogging. Okay. Loin là, je vais aller le plus loin possible. Ben pas le plus loin possible parce que je sais pas s'il y a des trous d'eau là, c'est pas bon parce que moi je sais pas, elle va pas dans l'eau. Et waterproof, mais c'est pas fait pour aller dans l'eau. Et là je vais au max. Là je vais au max. Max.
Wow, je peux pas aller au Mars tout seul. Oh mon dieu, je crois que j'ai pogné une branche. Yeah boy. Ok, on va... Oh, un fil. Au moins, on pourra zoomer pour voir. Qu'est-ce qu'il y a eu, en fait? Parce qu'ici, il y a plein de branches. Tout va bien. On va un peu aller dans la route de gravier pour spinner. On va la faire monter. Je suis au max. Oh, oh. Oh. Oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'elle peut pas aller dans le gros gazon. Voilà. C'est quoi ça? On va essayer ici. Mais ça spin! C'est incontrôlable. Ok, on l'a fait remonter. Je suis dans le fond. Les os, c'est parti pour aller super vite ici. What the... Oh, ça m'a fait tellement peur. Je crois que je vais aller moins vite parce que s'il tombe dans l'eau, oh, je suis mort. Je peux pas aller vite ici parce qu'il veut pas dans l'eau. Si je tombe... Je veux pas être longtemps ici. J'ai pas le goût qu'il tombe dans l'eau. Ah, et puis il y a beaucoup de roches qui rentrent dedans. Oh, non, mais une chance, j'ai des freins ultra puissants parce que sinon il serait déjà dans le ruisseau. Hein. Regardez comment ça freine. Voilà, j'ai. Voilà. On va un peu spinner. Ouais, bon, je crois que c'est bon, là. Il doit y avoir plein de roches dedans. On va regarder. Une roche. Une roche. C'est brûlant. Le moteur, il brûle. Voilà comment on fait. Faut toujours mettre le capot parce que sinon, toutes les cochonneries rentrent dedans. Donc, j'ai mis la GoPro sur le véhicule. Ça va être juste full cool. J'ai réussi à la mettre grâce à une bande. Let's go. We'll be right back.
c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Moi, j'ai vraiment aimé ça, faire cette vidéo-là. C'est juste qu'il fait chaud. Mais c'est pas grave. Donc, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis, on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye!